Hey. Alors. Mm-hmm.
Ça va, ça va. La fin du monde. Oula 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 oula. Oula mais attends, oh. Et d'où ils sortent leurs conneries de... Et d'où ils sortent leurs conneries de la fin du monde? Non, parce que s'ils disent ça parce que ils ont peur de la bombe nucléaire, je pense pas que Poutine... Enfin, je pense pas et j'espère pas, du moins, j'espère pas que les États, j'espère pas que les États se laisseront, enfin,
ils laisseront faire Poutine, quoi. Parce que là, en fait, est-ce qu'il se passe là en Ukraine, ils sont en train de faire un vote là. Parce que apparemment Poutine veut je sais plus quoi là. Enfin, Poutine, il veut faire je sais plus quoi avec la avec les Ukrainiens. Et là, ils sont en train de faire un vote là. Pour voir si les Ukrainiens sont d'accord ou pas d'accord. Et apparemment, c'est un vote qui aurait du mal à passer. Et a priori. oula. Enfin, c'est les Simpson, hein. C'est les Simpson, hein. Il faut en prendre un essai de leur truc, hein. Après, je dis pas qu'ils ont toujours tort, hein, mais il faut en prendre un essai, quoi. C'est comme Amir Kadad, quand tu regardes les épisodes qu'ils ont fait de Amir Kadad, c'est pareil. Hein. Amir Kadad, c'est pareil, hein, c'est la fin du monde, c'est c'est pareil, hein, ils sont très dans le Amerikadad, ils sont très très pareil, hein, t'as des coins qui sont obscurs, hein, dans Amerikadad, hein. C'est pas pour autant que c'est vrai, hein. En fait, les Simpsons, la seule chose qu'ils ont prédit dans un de leurs dessins animés, c'est le basketteur là qui se crache en hélicoptère avec ses gamins. Parce que ils l'ont entre guillemets prédit dans leur dans un de leur série des Simpsons, et il se trouve que quelques années après, bah malheureusement ce qu'ils avaient entre guillemets prédit, malheureusement ça s'est passé. Bon. Il s'est tué en hélicoptère avec ses gamins. Et bon, après, voilà, c'est... Ça, malheureusement... Mais par contre, centrale nucléaire qui explose, ça, par contre, ça peut être possible, ça. Ça peut être possible. Parce que là-bas, apparemment, en Ukraine, il y a une centrale nucléaire qui, apparemment... que les Russes, ils seraient en train de la bombarder, et a priori, si ces cons-là, ils bombardent pas au bon endroit, ça peut mal finir, ouais. Ça peut mal finir. Là, à ce niveau-là... C'est vrai que si ces cons-là, ils bombardent juste pour bombarder, oui, c'est crux.
Mais non. Mais non. Mais non. S'il faut bien dire, c'est que Poutine, c'est une grande gueule. Poutine, c'est une grande gueule, mais Poutine, c'est une... c'est... Poutine, c'est une... Poutine, c'est une grande gueule, mais voilà, À part intimider, à part intimider son monde comme il le fait, il fait que ça. Voilà. Quand il fait ses vidéos, il est dans son bureau, il est en train de faire je sais pas quoi. Il y en a plein qui commencent à douter de ce qu'il dit. Donc voilà. Non, ce qui risque d'arriver à Poutine, c'est ce qui est arrivé à tous les dictateurs, de toute façon. Hein. Regarde Mussolini. Regarde Mussolini en 45. Ça s'est fini comment avec lui? Le peuple, il s'est retourné contre lui. D'ailleurs, ils l'ont tué quand il était en train de faire l'amour avec sa maîtresse. Donc, tout le peuple s'est retourné contre lui. Donc, Poutine, il risque de connaître les mêmes sorts. Poutine, ce qui risque de lui arriver, c'est que sa protection rapprochée risque de dire attends lui il va trop loin, il est complètement taré, ça risque de mal finir, mais ça risque de mal finir pour lui hein, donc voilà. Tu sais, nous, la France, on a aussi aidé les Ukrainiens on leur a aussi livré des armes, hein, nous, les Français. Hein. Les Américains, mais nous aussi les Français. Hein, donc, si Poutine il est dans son délire. Si Poutine il reste dans son délire. Il reste dans son délire de que les Européens ou je sais plus quoi, il est contre lui. Ah bon? Ah. Ah non, mais de toute façon, il faut pas se. De toute façon, il faut pas se. Il faut pas se. Ah, si, je vois pas. Ah merde. Ah putain de saloperie. Oh la saleté. Ah la saloperie, saleté. Ah la saloperie. Putain, saleté. 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 Concerné, oui et non, quoi. Mais t'inquiète pas, ça n'arrivera pas, Ethan. Ça n'arrivera pas. Bah, c'est bien si les messages, ils s'affichent instantanément. C'est bien. Mais non, Ethan, t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il est taré mais pas à ce point-là quoi. Il est complètement barge mais t'inquiète pas. Simmering Shine, c'est où ça? Il est où? C'est où Simmering Shine? Simmering, ah bah là. Ah mais inquiète pas. Ben oui mais
Sur TikTok, vous savez très bien que sur TikTok, c'est toujours exagéré. C'est toujours exagéré. Mais moi, je vous dis, il se passera rien. C'est du flan. Il se passera rien. C'est du flan, il se passera rien. Mais c'est du flan, je vous dis, il se passera rien. Il se passera rien. Moi, je vous le dis, il ne se passera rien. Tout ça, c'est du flan. Tout ça, c'est du flan. Tout ça, c'est du flan pour faire flipper, ça. En fait, c'est pour vous faire flipper qu'ils font ça. C'est pour vous faire flipper. Moi, je vous le dis, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Parce que si Poutine il fait ça, t'as l'ONU, ils vont lui dire eh oh toi. Hop. Il risque gros hein, s'il fait ça. Hein. Il risque gros. Hein. Il risque très gros, hein. Donc, mais t'as pas à t'inquiéter avec ça, t'as pas à t'inquiéter, Ethan. Rien ne se passera, rien ne se passera comme. Rien ne se passera comme, comme Poutine, non. Un abonnement. Oui, mais Ethan, un abonnement, t'es pas affilié, Ethan. T'es pas affilié, Ethan. T'es pas affilié. Bah ben voilà. C'est ceux qui sont affiliés qui peuvent avoir des abonnements, Ethan. Et pas ceux qui sont pas affiliés. Moi par exemple, je suis Prime. Bah, je peux offrir un abonnement par mois. Mais je peux en offrir qu'un par mois. Ah mais il y en a certains qui m'offrent des abonnements des Prime. Bah ils sont comme moi, hein. Un Prime, quand t'es Amazon Prime, tu peux faire qu'un abonnement par mois. Un abonnement, c'est déjà pas mal un abonnement. Après t'as des abonnements payants, mais ça, moi les abonnements payants... Ça, moi les abonnements payants...
J'ai pas du tout envie qu'on me fasse des abonnements payants. Hein. Je veux dire, c'est. Bah, comme d'hab, hein, j'ai envie de te dire, Spartacus. Comme d'hab. Comme d'hab, j'ai envie de te dire. Là, il va être 7 h, là, je vais pas t'aller manger, moi. Non, pas encore. Mais ça ne serait tardé. Mais là, si j'ai bien senti, pour ce soir, ça va être soupe aux légumes. Si je me trompe pas, ça va être soupe aux légumes. Si je me trompe pas. Hein. En plus, c'est ma mère qui l'a fait. Elle les fait bien, la soupe aux légumes en plus. J'ai fait ça. Non, il se répète, hein, les défis rapides. Hein. Il se répète. Oh, pas besoin d'aller voir. Hein. J'ai le nez. Ou c'est une soupe, ou c'est. Enfin, c'est quelque chose à base de légumes, en tout cas. Ah, mais moi, non, non, je pense que c'est une soupe. Hein. Non, c'est une soupe. En plus que c'est une soupe fait maison, ils sont en plus. Et en tout cas, j'ai vu une gamine de 14 ans sur Twitch en train de se maquiller à la caméra. C'est là où tu vois les filles qui utilisent un fond de teint. Bah, tu comprends pourquoi qu'elles utilisent un fond de teint. Parce qu'il y a un des filles sans fond de teint. Oula. Sans fond de teint, oh la vache. Je vais pas dire qu'elles font peur, hein, mais ah non, moi j'utilise pas fond de teint, non, excuse-moi, mais non, j'utilise pas de fond de teint, moi. J'ai pas besoin de fond de teint, moi. J'en ai pas besoin de fond de teint, moi. Ah, putain de... Saleté. Moi, je suis naturel, moi. J'ai pas besoin de fond de teint. Je suis naturel.
Ceux qui disent des fontaines, excuse-moi, mais... En fait, ceux qui disent des fontaines, c'est comme ceux dans les hôtels qui mettent un papier au-dessus un truc crade, un mur crade. En fait, le fontain, c'est comme un cache-misère. En fait, le fontain, c'est comme une baguette magique. Tu vois? Si t'as pas une tête, j'ai envie de te dire, voilà. Bah... Si t'es boutonneux, si tout ça, bah... Grâce au fontain, t'es boutonneux. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Grâce au fontain... T'as plus de boutons. Voilà, voilà. C'est magique. C'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. J'ai les boutons. Attendez. Hop là, on me dit fond de teint. Eh, j'ai plus de boutons. Voilà. Pour ceux qui y a certaines actrices ou certains acteurs sans fond de teint. Oula. Comme dit mon père, il dit il faut pas les voir au réveil. Hein. Parce que. Ouh putain. Il y a certaines streamers sur Twitch, faut pas. À mon avis, il y en a certaines, faut pas les voir au réveil, hein. Parce que, voilà. Sur leur fond de teint et puis leur espèce de poupoute là, qui se met sur la tête là, qui se met sur la tronche là, à mon avis, voilà. C'est au secours, à mon avis, hein. C'est ou putain. Ah ouais. Ah bah comme ça, elle serait naturelle, hein. Mais sans fond de teint, oula. Je suis pète méchant quand je dis ça, mais c'est vraiment plus simple. Le fond de teint, c'est comme une baguette magique, hein. Hop. Bouton, puis bouton. Voilà. Un bouton, moi, quand... Pas de bouton. Quel bouton? J'ai le bouton, moi. Plus de bouton d'acné, puis rien et tout. J'ai le bouton, moi. Quel bouton? Une ride, quelle ride? Oui. Où t'as vu une ride? Une part? Et elle est où? Eh merde! Salaud! Salaud! Salopard! Fumier! Salaud! Salaud! Fumier. Non mais oh, quoi ça? Salopard. Non mais là on rigole là, enfin on rigole. Moi je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que il y a certaines filles, si tu les prends sans fond de teint, sans poupouille. Sans poupouille sur la tête, sans les poupouilles qu'elle se mette sur la tronche, elle m'excusera, mais c'est pas des beautés fatales, hein. Je vais être méchant, mais c'est pas des beautés fatales, hein. C'est pas des beautés fatales, hein. Sans fond de teint, fou putain, c'est. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de filles qui se mettent des fonds de teint, hein. Je sais pas comment que ça se vend dans le commerce, le fond de teint, mais à mon avis, ils doivent mettre toutes les bouteilles, tu vois. Attends, j'ai un bouton, là. Il est où, le bouton? Il n'y a pas de bouton.
forêt. Saloperie, saleté. Voilà, comme la dernière fois, par exemple, j'arrête. Un bouton, quel bouton? Il est où? Non. Une ride? Elle est où la ride? Pas de ride. Jeanne Fonda, tiens. Jeanne Fonda. Elle est pas toute jeune, Jeanne Fonda. Bah, quand tu la vois à la télé, elle paraît bien à la télé. Elle est bien, elle est jeune, elle est machin. Ouais. Combien de boîtes de fond de teint elle s'est mise sur la tronche? Tu connais pas Jeanne Fonda? Bah, c'est une actrice. Bah, je crois. C'est une actrice, c'est... Je crois que Jeanne Fonda, c'est une fille qui... Mais non, n'importe quoi. Une star, n'importe quoi. C'est... Non, mais c'est une fille qui... Je crois qu'elle a fait un truc pour la paix, ou je sais pas quoi. Qui a fait des manifestations pour la paix, ou je sais plus quoi. Il me semble, hein. Pas ça, mais il me semble. Mais Jeanne Fonda, bah, tu m'excuseras, mais quand tu la vois à la télé, quand t'as fait des pubs à la télé, bah... Tu vois nettement qu'elle a dû vider tout le pot de son fond de teint, hein, parce que c'est comme Jean-Luc Reichmann, tout ça, etc. Tous les présentateurs télé. Ah bah les fonds de teint, ça a dû y aller les fonds de teint. Hein. Oui. Non mais le fond de teint c'est magique, c'est la baguette magique le fond de teint, tu vois. T'as des boutons sur la tronche. Un coup de fond de teint, et plus de boutons. Hein. Non, mais c'est la baguette magique, c'est... Comme si c'était un magicien. Pim! T'as une sale tronche? Pas un fond de teint. Oh! Ah bah non, ah bah t'es plus beau là. Ah bah là t'es... Ah bah t'es un beau gosse, hein. Alors là... Ah bah t'es un beau gosse, hein, là. Mais comme le fond de teint, bah c'est comme tout, hein. Ça reste pas indéfiniment sur la tronche. Quand t'as plus de fond de teint, bah t'as la même tronche que qu'avant le fond de teint. Hein. Donc, voilà. Ah ouais, non, mais il y a des filles sans fond de teint, elles sont fond de teint. Hein. Égale toi. Et oh, et mon fond de teint il est où? Ah, il est où mon fond de teint? Ah mais oh. Et, ah mais attends. Hein. Je tiens à mon fond de teint, moi. Hein. Il est où mon fond de teint, là? Eh oh. Attends. Oh là là, attends. Oh non, là. Hop là. Je sais pas si je vais rue. Salaud! Fumier, salopard, saleté, bah, salaud. Talo. Non mais on rigole avec ça Alan, mais on les sent rigolant comme ça là, mais c'est vrai ce que je dis, hein, fond de teint, hein, c'est... Salut elle oh le temps, elle gang. Non mais on rigole avec ça Alan, mais le fond de teint, attention, hein, c'est... Eh oh. T'as des filles, bon je vais être méchant, mais t'as des filles, c'est des grosses mochetées, bah... Grâce au fond de teint, elles sont plus belles, hein. Oui, sauf comme je t'ai dit, hein, le fond de teint, ça reste une journée sur toi, et puis après, le lendemain, voilà, hein. Puis après, le lendemain, y a plus de fond de teint, hein. Ouais, hein. Ah, bah oui, hein, mais... Le fond de teint, ça dure qu'un temps, hein. Ça dure qu'un temps, le fond de teint. Bah, hein.
Ça reste pas sur ta tronche comme ça. Des années et des années, hein, le fond de teint. Hein, ça... Faut le renouveler, le fond de teint. Faut le renouveler. Oui. Bon, après, je sais pas comment ça coûte dans le commerce, hein, le fond de teint, mais. Ah. Eh oh, cher. Hein. Ça coûte cher. Et merde. Oula, 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 oula. Oh, pauvre vieux, t'as utilisé. Eh oh, toi! Bon, allez, hop. Tac. Ah, la saleté, ouais. La saleté. La saleté. Bon, allez, tac. 3 décembre. Oh, bah, ça va. On est combien, on est le... Attends, 3 décembre. On est combien? Décembre. Oui, il y a masse à oui, mais je pense que c'est septembre. Oh, bon, ça va. Ça va, ça va. Bon, si c'est fait comme les. Comme. Oh, ça va. C'est ouais, assez rapide. Bon, allez, steak. Ah. Quête du physio. Ouais, et puis. Bon bah Groot la saleté, il va aller manger lui. Groot la saleté. Hein. Ah ah, très drôle. Sauf que là c'est une fille, hein, je voudrais pas te. Hein. C'est une fille, hein. C'est pas un mec, hein. C'est une fille, crétin, c'est pas un mec. Je te jure. Ah là là. Ouais, tac. Ce soir, ça va peut-être faire du Rocket League ou du Rainbow Six Siege. Je sais pas. On verra. Ouais, tac.
Bon allez, moi je vous laisse, je vais manger, sans manger de soupe. Ouais, c'est une soupe. Et puis voilà. Bon allez, 21h, Spatacus, en vocal. Allez. Essayez de passer Spatacus, Elgang, et puis Crux. Puis voilà. Et j'ai oublié un autre, Ethan. Voilà. Allez. Le vagabond, hop. Allez, hop. Tac. Hop.